Alors, l'île Montagne, c'est-à-dire la Corse du GR20, dans la mesure où je l'ai refait, donc où je l'ai fait le GR20 il y a 2 ans, je l'avais fait il y a une trentaine d'années, et je raconte un peu les péripéties de la randonnée, et tout en d'étape en étape, je reviens un peu sur des souvenirs de la montagne corse, en particulier en hiver, au printemps, en ski, en raquette, en piolet crampon. Et à travers ce livre, un peu, j'exprime un peu toute ma passion pour la Corse. J'y suis allé plus d'une trentaine de fois, pratiquement en une vingtaine d'années. Là, c'est tout. J'ai été pris finalement donc d'une passion, d'une réelle passion pour l'île, pour les atmosphères de l'île, pour cette façon d'être en Corse. T'es très vite sur les crêtes, tu domines la mer, tu as des aperçus absolument exceptionnels. Qu'on n'a pas, par exemple, ici, dans les Alpes, autour de Grenoble. Et donc, à plus d'une reprise, je suis allé pendant 10, 15 jours, 3 semaines, pour des épisodes un peu très différents les uns des autres, y compris donc à l'automne, au mois de novembre, par exemple. Et ce qu'il y a de bien en Corse, je le dis, parce que bon, nous, dans les Alpes, on a un problème, c'est-à-dire qu'on a des grandes villes au pied même des Alpes, il y a Genève, il y a Lyon, Grenoble, il y a énormément de pratiquants. Alors qu'en Corse, vous avez une population qui est, la population de l'île, c'est autour de 300, 350 000. Et évidemment, dans la mesure où vous avez 180 km de montagne du nord au sud, c'est une population qui fait à peine un peu plus de la moitié de la population de Grenoble, et donc vous avez beaucoup moins de pratiquants. Beaucoup plus de solitude, on dira, dans les montagnes corses. Indépendamment, effectivement, de la fréquentation du GR20, sur laquelle je me suis j'ai pas mal appuyé, effectivement, parce que le GR20, d'année en année, n'a pas cessé de gagner en réputation, et c'est devenu un espèce de test international à l'effort. C'est un chemin particulièrement international, où vous y trouvez un peu tout. Toutes sortes de nationalités, et il s'est développé sur le GR20, une activité qui n'existait pas la première fois où j'ai fait le GR20 il y a fort longtemps, c'est ce qu'on appelle le trail. Et vous avez énormément de trailers corses, entre autres, de trails en Corse, de trailers corses, sur le GR20, mais de trailers un peu de tout pays, européen, qui essayent de faire des temps, qui diminuent, donc, bon, on a réussi de fil en aiguille à diminuer jusqu'à une trentaine d'heures. Là, c'est un Français en particulier qui a réussi cet exploit. Donc, dans mon livre, j'évoque aussi bien donc les aspects, je dirais, modernes, tout récents du GR20, la fréquentation, le trail, et en même temps l'atmosphère générale de la Corse. C'est aussi un essai en fait sur l'île, sur la vie en Corse, sur la montagne en Corse, sur les conditions, sur l'histoire de la montagne corse aussi, sur les premiers alpinistes en Corse, sur l'expérience d'un type comme Paul Hellebrunner, qui est resté longtemps au Rotondo pour des mesures. Voilà, c'est un peu tous les aspects. Il y a aussi les catastrophes en Corse, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, il peut y avoir beaucoup de neige en Corse pour des raisons climatiques. Et il y a eu entre autres, une avalanche assez exceptionnelle, aussi exceptionnel que l'avalanche de Val d'Isère, qui a fait énormément de morts entre les deux guerres, donc j'en parle. Voilà, c'est un peu tous ces aspects-là que j'évoque, tout en marchant sur le GR20, en racontant mes étapes, et puis en donnant un peu des techniques, des leçons que m'a donné, qu'a pu me donner l'expérience de la montagne en général, aussi bien effectivement sur ce qu'on peut manger, les techniques, le sac, voilà, un peu tous les aspects, quoi. Alors, les différences fondamentales, effectivement, avec les Alpes, particulièrement avec le massif du Mont-Blanc, évidemment, l'altitude, elle est beaucoup plus restreinte. L'engagement aussi, bien entendu. Donc, vous pouvez, à tout moment, sur GR20, et même dans des voies classiques, vous échapper. Et la grande différence, je dirais, c'est surtout cette différence due à la proximité de la mer. En fait, vous avez deux Corses, vous avez la Corse des côtes et la Corse des crêtes, qui n'ont rien à voir, même en plein hiver.
Il faut des conditions presque arctiques, en fait, hein, en cas de tempête à 2500 mètres autour du Monte Cinto ou du Rotondo. Mais dès que vous redescendez de 2000 mètres, plus de 2000 mètres, et vous vous retrouvez sur la côte Corse où vous avez tout à fait un autre climat. Et il est possible, moi il m'est arrivé par exemple de me baigner, même en hiver, au mois de février, alors que le matin j'étais sur la neige, j'étais en crampon curé sur la neige. Et le soir, vous vous retrouvez sur en bord de mer, avec un soleil couchant, sur la côte ouest, vous avez des températures exceptionnellement douces, du moins pour nous, Grenoblois, ou pour nous, Alpins, alors que dans le massif du Mont-Blanc, effectivement, même à Chamonix, évidemment, vous avez une continuité climatique. Là encore, ce qui est frappant, c'est que vous avez donc l'étage alpin au-dessus de 2500 mètres, des conditions qui sont des conditions alpines, avec des risques d'avalanche, de tempête, vous avez des vents très forts en Corse. Et par contre, lorsque vous redescendez, lorsque vous vous trouvez sur un bout de côte à l'abri du vent, vous vous trouvez dans des conditions méditerranéennes avec des chênes verts, des figuiers parmarines, la possibilité même éventuelle de vous baigner, si vous n'êtes pas trop frileux, on va dire. Et bien écoute, les Corses, si on pareil, effectivement... Ben, je dirais qu'en saison, ils sont quand même nettement plus détendus qu'en saison, hein, c'est-à-dire que l'été. Donc, on a très bon contact. En même temps, ben, tout le monde connaît le caractère corse, qui peut être des fois un peu, susceptible. Donc, justement, là, j'ai un chapitre un peu sur les effets du climat, peut-être sur l'humeur en Corse, en particulier du vent. Là, je me suis un peu lâché là-dessus. Parce qu'effectivement, au XIXe siècle, on s'est posé beaucoup de questions sur le caractère corse, sur la Corse en général, et sur le Corse. J'ai tenté une petite interprétation, très modestement, sur le caractère corse. Mais honnêtement, en général, moi j'ai eu de très bons rapports hein, avec les Corses. Ici ou là, c'est comme partout, il peut y avoir des accrochages, mais dans les Alpes aussi, vous en avez. Donc, disons, des petits propos, on va dire. Là. Mais bon, j'ai plutôt très bons souvenirs. En Corse et avec les Corses. Après, j'ai plutôt développé sur la montagne, hein, donc sur l'histoire de la montagne. C'est un essai sur l'île, mais c'est un essai surtout, je dirais, géographique et alpin. Voilà. Je parle de l'histoire corse et j'évoque certaines personnalités, mais je reste surtout dans le domaine, je dirais, montagne, histoire climatique, histoire de l'alpinisme aussi. Voilà. Alors moi, sur mon expérience personnelle, je pourrais dire pas mal d'anecdotes. Moi, je dirais que ce qui m'a beaucoup plus le plus surpris en Corse, par exemple, c'est le vent. C'est-à-dire qu'en Corse, vous avez énormément de vent. C'est-à-dire qu'un vent qui souffle très très fort. Vous avez des records, effectivement, de plus de 200 km à l'heure, donc au Cap Corse. Et dans la montagne, vous pouvez avoir des surprises avec le vent. Alors donc, vous plantez une tente à un col et votre tente explose, est balayée. Il m'est arrivé aussi même de me faire décoller, c'est-à-dire de me faire arracher par le vent sur une crête. Dans une escalade facile, c'était en hiver, donc mais c'était assez glissant, c'était glacé. Et je suis parti un peu en vrille, quoi. Il y a une espèce de rabattant qui m'a vrillé, qui m'a projeté dans la pente. Et par rapport aux Alpes, c'est vrai que ça peut être une surprise. Hein. Ça, il vaut mieux le savoir. Et puis sinon, sur l'anecdote en général, sur l'historique, ce qui est exceptionnel, c'est de, comme toujours, hein, c'est se replonger dans le récit des pionniers et de constater que la Corse, il n'y avait quasiment pas de route avant 1914, c'était une île très très pauvre. Vous n'aviez pratiquement pas de route, vous aviez énormément de villages coupés où il fallait accéder à pied. Et il y a tout un historique, en fait, sur ces accès, justement, assez difficiles, avec des ânes. Et je pense que le dépaysement est assez extraordinaire. Il reste, hein, donc pour nous, hein, la Corse, ça reste une île dépaysante. Mais j'imagine le dépaysement, par exemple, pour les pionniers allemands, là, d'avant 14, lorsqu'ils arrivaient en Corse, dans le centre de l'île, où il n'y avait pratiquement pas de monnaie, où c'était encore une économie pratiquement de troc. Enfin,
Là-dessus, il y a encore des choses à dire, je pense, des choses à creuser. Ouais. Et puis, il y a le. J'ai fait tout un chef, enfin, une anecdote aussi. Non, c'est pas une anecdote, mais je parle d'un aspect qui est peu connu. Il y a des disparitions en Corse. En particulier, là, j'ai évoqué assez longuement la disparition d'un banquier suisse. Alors, c'est ce que je dis, quand on est seul en montagne, on pense souvent, effectivement, à l'accident et la possibilité de se retrouver, complètement en perdition. Là, dans le cas du banquier, ce banquier a non seulement probablement eu un accident, mais on ne l'a jamais retrouvé. Donc, je décris l'enquête, les témoignages. On n'a jamais retrouvé la trace d'un banquier suisse sur une section qui est plutôt facile du GR20 entre le refuge de Capanel et le col de Litsavona. Voilà, donc c'est un peu différents aspects. J'ai parlé aussi du chat renard. C'est une espèce très particulière qu'on a probablement découverte ou redécouverte il y a quelques années en Corse. Voilà, vous voyez, il y a pas mal d'aspects. Je parlais beaucoup de la faune, effectivement. Je dirais que le plus étonnant encore, c'est les vaches qui pâturent librement, que vous trouvez à toutes les altitudes, y compris en hiver assez haut, hein, pratiquement jusqu'à la limite de la neige. En été, vous allez les retrouver jusqu'à 2000, 2500 mètres. Il y a des cas d'accidents donc avec des vaches. Pourquoi? Parce que les vaches se retrouvent sur les routes, donc il y a eu des accidents avec des voitures. Mais il y a eu des cas où il y a eu là récemment un cas assez rare. Et qui m'a rappelé justement un souvenir que je ne raconte pas malheureusement dans le bouquin, mais j'ai effectivement failli me faire encorner par une vache sur un sentier là en bord de mer en février, le sentier des Agriates. Il y a des vaches, c'est le sentier des Trois, et une vache peut être un peu avoir une réaction de frayeur. Et là, cet hiver, il y a quelqu'un qui s'est fait encorner d'une cinquantaine d'années, qui s'est fait encorner justement sur le chemin des Agriates. La Corse, tout est à. Il y a encore beaucoup de choses, je pense, à raconter. Je n'ai pas tout raconté dans le livre. C'est une première approche. Je ne désespère pas éventuellement d'en écrire un tome 2 un jour ou l'autre.